Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer une ampoule sur un Kangoo de 2013, 1,5 litre DCI. Alors on attaque, c'est parti. C'est tout simple encore. Là, on enlève le cache. Il sort. Tac. Alors, débrancher la cosse, trois broches, ampoule H4 hein, comme je mets tout le précédent sur le Navara. Petite goupille, on appuie, on bascule, hop, on sort l'ampoule. Là, vous voyez sur le bas de l'ampoule, petite résistance qui se balade, petit morceau rond là qu'on aperçoit. Ça veut dire que l'ampoule est HS. Hop. Hop, ampoule H4. Surtout, il faut éviter de mettre ses doigts sur la partie noire au bout de l'ampoule et sur le vert de l'ampoule. Selon les modèles, je sais que c'est pas forcément évident pour arriver à la remettre en place. Donc là, vous voyez. Nouvelle ampoule, toujours essayer de tenir par les broches. Hop, à remettre en place avec les petits guides. Voilà, la remise en place. On cale la petite goupille. Tac. On rebranche la cosse. Voilà. On remet le petit cache. Et voilà, le tour est joué. Vous voyez, c'est pas compliqué, ça m'a pris à peine 5 minutes et encore je vous ai pris le temps de vous expliquer pour en filmant. Donc c'est à la portée de tout le monde hein, de changer sa propre ampoule. Voilà, ça fait gagner du temps, de l'argent, ça évite d'aller au garage, ça va coûter un bras pour changer une ampoule. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page, je vais faire des tutos régulièrement sur différentes marques de voitures. Et pas que sur les remplacements d'ampoule, quand j'aurai besoin de faire une vidange, je vous montrerai comment faire une vidange, les freins. Là pareil, hein, j'ai peint les jantes sur mon Navara, j'ai pas terminé la vidéo, mais ça va pas tarder à venir. Après montage de rampe de LED sur le toit du Navara aussi. Donc quelques bricoles à venir. Allez, salut à tous.